incliné nos têtes. Tout nous qui sommes. Nous allons incliner nos têtes là où nous sommes. Et nous allons prier le Seigneur et commander ce moment entre ses mains. Qu'il puisse être au rendez-vous. Qu'il puisse être à l'ancien pendant tous ces moments. Lui qui est le véritable enseignant. Lui qui est le véritable libérateur de nos vies. Qu'il puisse désormais faire de grandes choses. Prions le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aider à nous aider au Dieu. Seigneur, n'a pas encore dit au Dieu. Sois le Dieu qui nous parle, ô Dieu Seigneur. Sois le Dieu qui délivre nos vies, ô Jésus. Sois le Dieu, Seigneur, qui va combler, Seigneur, le besoin de tout un chacun. Ô Jésus-Christ, Seigneur, nous ne sommes pas venus au devant des hommes, mais nous sommes venus, Seigneur, au devant de toi, le Dieu qui fait des choses grandes, insondables et des merveilles sans nombre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Na kombo na Yesu Christo ndeto bondeli bongo. Amen. Amen. Ah, nous acclamons fortement pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Lui qui nous a donné l'être, la vie et le mouvement. Nous nous sommes très reconnaissants. Nous étions dans nos maisons. Nous étions dans nos lieux de travail. Nous étions dans un lieu ou dans un autre. Mais il a plu au Seigneur de nous rassembler ce soir. Et c'est pour ça qu'il y a un peu de temps. Envie de nous bénir, envie de nous faire du bien. Je te dis bien aimé que toi qui te retrouves ici, tu es un homme heureux. Tu es dans un lieu sûr. Tu es au bon endroit. Mais tu ne seras jamais déçu. Parce que tu es venu à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur va répondre à tous tes besoins. Le Seigneur va combler les besoins de ton cœur. Parce qu'il n'abandonne pas le sien. Il a dit qu'il vient en aide à la postérité d'Abraham. Si tu es la postérité d'Abraham, le Seigneur viendra à ton aide. Même si là où tu viens, tu as subi des combats, mais sache que le Seigneur te connaît. Parce qu'il a permis que tu te retrouves ici. C'est pour qu'il puisse te consoler. C'est pour qu'il puisse encore te donner la victoire. Il a vraiment le contrôle de toute ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur est de ton côté. La Bible disait que le Seigneur est mon berger. Et moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Il dit que s'il y a des adversaires devant moi, Gracias.
ironie à la je dis qu'il n'y a aucune écriture de la Bible. Et quand tu connais la Bible, tu parles de la défaite de David. Oui, ça n'a pas de la coquette, mais tu as dit que les ours et les lions là-bas dans la brousse. Où tu as la bangoma, tu as la bangoma, tu as la bangoma. Jusqu'à son dernier combat, qui m'a dit que tu as la David n'avait jamais perdu la bataille. David a pris sa maquette. Parce que l'Éternel était son berger. Loba makambo oyo ekokani na bilakisi ya peto.
Nous prenons 1 Timothée chapitre 5. Le verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je te conjure, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je te conjure devant Dieu. Devant Jésus-Christ. Et devant les anges élus. D'observer ces choses sans prévention. Et de ne rien faire par faveur. Nous prenons Exode chapitre 12. Nous prenons le verset 15. Jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pendant 7 jours, Nicolas Sambo, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranché d'Israël. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation. Et le septième jour, vous aurez convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain. Car c'est en ces jours même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour, du mois au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de pain sans levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. On va faire la dernière lecture dans Deutéronome chapitre 16. Le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains
kolia ni kolosambo mobimba ni paro ezanga fulu de peur du peur d'affliction ni pa ya bolosi mawa ni pa ya mawa car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte wete zala kinde na kowela na tona mbango nde obimaki na mboka ya Égypte il en sera ainsi enfin que tu te souviens toute ta vie et kozala kabongo prete obanga na kokanisaka yango na pomwe na mobimba du jour où tu es sorti du pays d'Égypte na mokolo oyo obimaki na mboka ya Égypte que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire kika kolo apangola nitangi oduti na kosala et nous pouvons nous rasseoir tokoki na kofanda. Encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour les rendez-vous de ce soir. Nous parlons lentement. Nous bénissons le Seigneur pour les rendez-vous de ce soir. Et nous bénissons parce qu'il t'a permis de te retrouver ici. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur pour les jours des interventions du ministre de Dieu qui nous a précédés. L'évangéliste Maïs Eliou. Mon que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse. Et qui nous avait parlé sur la fête de pain sans levain. Vous devez savoir que c'est ça même notre marche. La fête de pain sans levain. Les pains qu'on devrait manger. Pendant 7 jours après l'immolation de l'agneau en Égypte, on dit que c'est un pain qui ne devrait pas avoir du levain. Et on ne devrait pas non plus trouver le levain pendant ce temps-là dans toutes les maisons des enfants d'Israël. Qu'est-ce que cela voulait dire? La Bible dit ceci. Christ, notre Pâque a été immolé. Christ, parce que la Bible a légué na popo mama. Christ, Christ, c'est lui l'agneau de Pâque. Il a été immolé. En fait, on est en train de nous faire voir que l'agneau qui a été immolé en Égypte, c'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. Maintenant, après l'œuvre de la croix, il y a une période de 5 jours où le peuple doit manger des pains sans levain. Dieu. Jésus dit,
Yes, Alobi. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Nazali lipa oye uti na likolo. Il est le pain. Nazali lipa. Jésus là qui dit ça. Yes, nazo na bongo. Il est aussi la parole. Nazali pain du loba. Mais dans la parole qui est Jésus. Pain na kat na liloba oye nazali yes. Il ne doit pas se trouver il les vins. Et Seigneur te écoute ma na foulou na kat. Amen. Ah. Les levains ne doivent pas se trouver dans la parole. Foulou et continue à m'occuper matin à tête na liloba. L'église dans sa marche. Église dans la tête na bota pour la yango. Veillez à ce qu'il ait toujours une parole pure. Et Seigneur dit à ce que la haine est à la na liloba oye dali peto. Parce que ici Paul lui-même nous donne la définition de ce que c'est le levain. Ah ouais, Thomas Paul a donné sa vision d'imbola na oye dali foulou. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5. Côté la Bacolito, il y a un bosso, mon caponamo, il y a un temps. Les écritures que vous savez déjà. Bah, Matangio, Boyebi, Yango. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Bacolito, il y a un caponamitan, mon amour ensemble. Je lis même la partie du verset 6. La bandera du temps, il y a un temps, mon amour est motoba. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Et d'aller prendre la tine à tête et bien au de la comique, de la ne savez-vous pas qu'un peu de l'élève fait lever toute la patte? Vous voyez, bien que moi, foulou, mouquet, qui tombe dans la patte, mon bimba. Faites disparaître le vieux levain. Olongola, vigno, yakala, tofu, yakala. Afin que vous soyez une patte nouvelle. Faites bien au bois de la penda, lipa, oez, ali, yasika. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ notre Pâque a été immolé. Ici on nous montre la Pâque c'est Christ. Il a été immolé. Le verset 8. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Malice et de méchanceté. Et dans la paix, na foulou, o etali ya matepe ya kanzake. Mais avec les pains sans les vins de la pureté. Ah, si le monde na lipa, o etali foulou, o ya peto, pe ya bosolo. Et de la vérité. Pe ya bosolo. Amen. Amen. Ici, on vous dit, awa, bazolo, bazolo. Les vins, c'est la méchanceté. C'est la malice. Donc la parole que nous avons ne doit pas être une parole corrompue. Parce qu'on a montré que la fête de pain sans les vins, c'est le temps que l'Église est en train de traverser. Parce que c'est le temps qui vient après la mort de l'agneau. C'est pourquoi on avait dit ici. Aujourd'hui, on doit vérifier les enseignements. C'est pourquoi on a tiré notre terre. Les choses conformes à la sainte doctrine. L'église. Parce que c'était le travail
entier. Amen. Amen. Ah. C'est pourquoi notre enseignement, c'est les choses conformes à la Sainte. Mais aujourd'hui, on a voulu. Les autres, c'était là qui? On a voulu d'abord introduire sur le pain sans levain. Mais au fur et à mesure que nous allons marcher, on va parler de ces choses-là. Parce que c'est qui compte, frère. Dans notre marche, c'est l'enseignement. Dès que vous êtes là, vous venez ici à cause d'une espérance qui vous a été faite. Vous ne venez pas ici pour voir le pasteur. Vous ne venez pas ici comme une rencontre d'amis. Comme une mutualité de tribus. Non. Mais vous venez ici à cause d'une espérance. Et tu meurs.
seul. Pas ouvri. Parce qu'il faut savoir ceci. Et c'est quoi la bonne. Dieu viendra aussi bénir les ignorants. Zambe a connu un peu pour faire la drogue, pour faire tout le monde, mais toi, tu Dieu ne bénira pas seulement les désobéissants. Zambe a connu un peu pour faire la drogue, pour faire tout le monde. Il bénira aussi les ignorants. A connu un peu pour faire tout le monde, mais toi, tu as un peu pour faire. Alors, tu as tout intérêt de connaître la parole de Dieu. Ah, moi, j'ai connu la litombe, ma casse, y a connu la litombe, ma zambe. La pile de bien la maîtriser. Parce que c'est là-bas qu'il y a ton salut. Vous savez les gens autour de Babel. Ceux qui leur étaient arrivés. Ils voulaient bâtir une tour. Pour aller une tour qui devait aller jusqu'au ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis des briques à la place de la pierre. Amen. Ah. Au lieu de se servir de la pierre, ils ont laissé la pierre. Ils se sont servis de la brique. Ils ont laissé le ciment. Ils se sont servis de bitume. Ils ont commencé à bâtir. Mais comme Dieu a dit dans sa parole, pour chaque chose, il y a un temps, il y a aussi un jugement. Ce que les gens font, Dieu ne va pas les laisser comme ça. Il va venir juger tout ça selon sa parole. Mais nous aussi l'église de Dieu, comme nous marchons là, il y a des jugements. Dieu nous parle. Dieu nous reproche. Il y a aussi un jugement. La lèvre va finir. Parce que dans chaque chose, il y a un temps. Il y a aussi un jugement. Et toi où tu vas, dans les péchés que Dieu est en train de faire, peut-être que tu te dis que Dieu ne me voit pas. Non, c'est une forme qu'il est écrit dans toutes choses. Pierre. Moto a créé la pierre.
brique. Ah, si mon tassard qui n'est brique. Le Seigneur a vu que ce qui s'est passé là. Voilà, moi, je vais faire ça. C'est vraiment l'œuvre humaine. Et là, qui fait ça, moi, ça, là, il y a moto. Le Seigneur ne s'est pas retrouvé dans leur œuvre. Voilà, à qui mon ami qui t'est la carte de mon salon. Le Seigneur ne s'est pas retrouvé dans leur ouvrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit, descendant, là, en confondant leur langage, le Seigneur a semé la confusion. Donc quand il a éprouvé leur œuvre, leur travail, le Seigneur a vu que ce n'était pas une œuvre qui s'est révélée à lui. Ce n'était pas une œuvre qui se référait à son modèle, à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ont été dans la confusion. Et même aussi aujourd'hui. Si nous bâtissons, parce que prêcher c'est aussi bâtir. Ah, côté la repère, ça dit qu'on tombe. J'ai posé le fondement comme message architecte. Amen. Ah. Donc nous aussi, peut, tel que je suis là, je n'ai pas la tirelle des maçons. Je n'ai pas les instruments que les maçons utilisent. Ah, je n'ai pas de ciment ici. Mais dans le langage de Dieu, je suis en train de bâtir. Mais le fondement avait déjà été posé par les apôtres. C'est ça la différence. Nous bâtissons, mais le fondement avait déjà été posé. Le Seigneur est descendu, l'a confondu. Je suis dans Genèse chapitre 11. La Bible dit qu'ils ont cessé de bâtir. Ils ont cessé de bâtir. Pourquoi? Pourquoi? La confusion a été installée. Leur début n'était pas bon. Et ça, qui m'a monté. Le fondement posé là-bas n'était pas bon. Et ça, qui m'a monté. De la même manière, nous aussi aujourd'hui. Comme nous bâtissons. Et que pour chaque chose. Et que dans chaque chose. Il y a un temps. Et dans la table encore. Que lors du jugement, nous ne puissions pas nous retrouver dans la confusion. C'est ça notre grande crainte. Parfois nous nous opposons aux gens. C'est parce que nous voyons que leur manière de bâtir n'est pas conforme. Avec ça, nous allons perdre la récompense de Dieu. Il a travaillé dans l'œuvre. Arrivé à la fin, lui-même, le Seigneur, le juste juge. Il me donnera la couronne. Cela veut dire que le Seigneur arrivera à juger les œuvres de Paul. La manière dont il a travaillé, il va lui donner la couronne. Il va lui dire bon serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Ah. C'est ça le souci que nous avons.
Que nous puissions bâtir selon les modèles. Et nous allons parler en long et en large. Par la grâce de Dieu. Nous allons vraiment parler. Parce que la manière dont les choses sont en train d'évoluer, la manière dont les ténèbres sont en train de grossir dans le monde, la manière dont les enseignements se multiplient, la manière dont les enseignements se multiplient, l'enseignement doit primer dans la vie des enfants de Dieu. On est devenu obligé de montrer les chemins. Paul, Pierre disait, il dit que je veux partir subitement comme le Seigneur m'a fait connaître. Mais je prendrai ceux qu'après moi, que vous puissiez garder ces choses. C'est pourquoi je vais éveiller votre intelligence. Que tu sois capable de juger les choses dans le monde. Ne joue pas bien aimé. Le monde est un courant. C'est un courant de courant. Le monde a sa direction. Pour t'opposer au monde, tu dois avoir l'enseignement. Si tu viens seulement à l'église pour le mariage, j'aimerais te dire. Les païens aussi se marient. Ils font même des mariages somptueux plus que les enfants de Dieu. Oui. J'aimerais t'informer. Avant Jésus, les gens se mariaient. Ah. Si tu es venu dans le Seigneur, pour ne chercher que l'argent, avant Jésus, les gens étaient des richissimes. Les gens, les richissimes, c'était là sur la terre. Jésus les avait tous trouvés. Et si tu viens ici, c'est pour le royaume des cieux. Les choses du monde qui sont temporelles, et bien matériel. Dieu donne ça. Si c'est quand tu te concentres dans la prière, dans la vie de la sanctification, la sainteté, Dieu va te les donner. C'est quoi même ceux qui n'ont pas la parole ont de l'argent. Les gens qui n'ont pas la parole ont des bons mariages, mais ils n'ont pas les royaumes. La plus grande des choses, c'est le royaume. Et la parole. Parce que tout passera. Tout passera. Et quand nous venons ici, c'est pour nous affermir dans notre foi. Parce que le monde a son chemin. Dieu, dans sa manière de faire, informaticiens ils programment déjà des choses dans leur machine, dans leur ordinateur. Si ça doit se passer comme ça, donc ils programment déjà. Dieu aussi avait déjà programmé le monde doit aller à la perdition, mais dans son amour, il a sauvé quelques-uns. Choses horribles. On a des mariages
mariage homosexuel. Avant c'était honteux. C'était des choses cachées, secrètes. Mais aujourd'hui, c'est en public. Les hommes ont même leur drapeau de plusieurs couleurs. Dans cette communauté-là, des infâmes. Il n'y a pas tout la macabre au soto. Des homosexuels. Ils ont même leur drapeau. Ils disent le drapeau de l'arc-en-ciel. Il dit mariage pour tous. Vous voyez? Donc c'est plusieurs couleurs. Et Dali, y a pas langue. Maintenant, qu'est-ce qu'il prêche? La liberté. Bosomi. Et la tolérance. Ici les enseignements, awa, malakisi, ce n'est pas seulement
les prédicateurs qui prêchent Dieu de la chair. Non. Et c'est aussi des idéologies. Les gens dans leur manière de penser. Aujourd'hui, on a le style de choses qu'on appelle influenceurs. Ah, tout ça, influenceurs. Comme l'internet est accessible à tous, vous allez voir des femmes, des hommes, des jeunes, ils sont en train de véhiculer aussi leur manière de raisonner, de penser. On les appelle des influenceurs et des influenceuses. Ça devient un monde de vue pour plusieurs. Et comme le lien à copie la pointe de l'air. Non. Moi, quand je vois ça, comme prédicateur, comme le frère Paul, nous devons renverser les raisonnements. Un ministre de Dieu. Amen. Ah. Les pensées des gens. Ne donc pas suivre des influenceurs. Et les gens qui prêchent mal la parole de Dieu. Mais je dois faire de leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que si les gens ne se souviennent pas à Christ, ils ne seront pas le plus sauvés. C'est pourquoi nous prêchons les choses conformes à la saine doctrine. La saine doctrine, c'est ça l'enseignement de Christ. On l'appelle saine parce que ça purifie. Dans pernicieuses. Pernicieuses, elles ont bébé
ça profondément. Donc, ma terre va du yango, mais ma vie n'a pas voué bébé. Mais quand on prêche aux gens la sainte doctrine, donc, si quoi, ce qui est au terre, il y a boule, quelqu'un arrive à croire ça. Et applique ça dans sa vie. Sa vie sera saine. C'est ce que l'évangéliste avait dit le dimanche. On avait vu de l'eau sortir du temple par la porte de l'Orient. La porte de l'Orient. C'est ça Israël. Et l'homme à la parole, c'est Jésus-Christ. Il était venu par la porte de l'Orient. Amen. Il était venu par la porte de l'Orient. Quand c'est sorti par la porte de l'Orient, dans les hommes maintenant, ils ont commencé par parcourir les districts orientaux. Non, la district doit commencer là-bas, le district oriental. C'est prophétique. Ça commence là-bas. Maintenant, ça vient. Ça se déverse dans la mer. C'est ça la parole qui sera prêchée dans le monde entier. En commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre qui sont la mer. Et qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ça a saigné partout, ça passait. Si tu écoutes la parole de Jésus, la doctrine des apôtres, et que tu ne changes pas, là c'est toi. J'ai dit la vraie parole de Jésus-Christ. Et ça ne te donne pas la crainte de Dieu. Ça ne te donne pas la haine du mal. Alors, il faut bien vérifier ta vie si tu es appelé à ces choses. Ah, et Seigneur, tu as la parole, on prêche la parole, tu continues toujours dans ta mauvaise vie. On prêche la parole, tu es toujours dans les colportages. Songi. Hein? Dans ma tongue. Donc cette parole n'est pas assez. On va en parler. Parce que Paul le dit aussi à Timothée. Il faut interdire les médisances dans l'église. On appelle déjà les groupes des gens de Makongo. On dit que les gens sont comme les Makongo. Quand ils voient quelque chose, ils murmurent. Non, c'est pas comme ça. Dans l'église, les frères doivent apprendre à se dire des vérités. On dit l'amour se réjouit de la vérité. Il est écrit dans la loi. Tu ne haïras pas les enfants de ton peuple. Mais tu prendras soin de répandre ton frère. Et tu ne déchargeras pas de péché à cause de lui. Amen. Donc on dit que tu ne peux pas haïr ton frère. Mais si tu vois ton frère dans le mal, on dit réponds-le. Réponds-le. Pourquoi? Pour que tu ne décharges pas d'un péché. C'est quoi ce péché? La haine. Il m'avait manqué du respect. Moi, je commence à éviter des frères, surtout des enfants. Nous sommes des frères, mais nous n'avons pas le même âge. Pourquoi il faut un peu de la distance avec les enfants? Non, là tu es sous le péché. On a dit, tu ne déchargeras
Okomema lisumu te. Et tu auras soin. Lenge la peno pamelaye. Sois ça ma mère. Pamelaye. Tu auras soin de répondre. Lenge. Milenge la pona koleka na ko pamela soki de bazana kati na mabe. Même les apôtres. Et la mantoma. Papa même comme lui, je l'appelle pas. L'homme m'a dit, parce qu'il y a des hypocrisies. Pourquoi Bilongi mi parle et Zali mingi na Bilongi sa lokasa. Je te salue. Après, on fait son côté. Bonjour frère Grégoire. Ah, bonjour Ndeko Grégoire. Vous allez voir des salutations, il y a des salutations terribles. Ah, au moment la papa te pongo ya somo. Bonjour frère. Bonjour Ndeko. Je comprends directement, tu as quelque chose dans le cœur. Bonsoir. Bonsoir, Oleki. C'est pas ça. Bon, Mote. On dit que tu auras soin de répondre ton frère. Le maître, le Seigneur, lui, ose appeler Nenge Yakopamela. Olenge la matole. Parce que si tu ne fais pas ça, point de zone de salut à Mote. Tu vas porter le péché en toi. Okome malisumu na kati na yo. La haine. Koina. Maintenant, Dieu sait. Si quoi, ça va y être pour te décharger. Pona a l'ongoloyo, tout le monde est déchargé, t'es déchargé. Ah, ça de yo, oh, d'accord, l'ongoloyo, tout le monde a ton frère que tu avais mal fait. Y a des gens de connaître auto salamante. Ta manière de te comporter ce jour-là ne m'avait pas plu. Le lengue na yo, oh, Zara Kriboson, en a essayé de s'accuser. C'est ce que Dieu m'a recommandé dans les Écritures. Y a un bon de oh, Zambé, à Sengaké Salamanapo, moi, comme ça. Vous avez compris l'église déjà? Au moment de l'église à bateau. Avec trop de guerre d'esprit. Natat nabitumba ya molimo. La guerre d'esprit. Et puis il y a d'autres qui sont courageux. Et là, vous souvenez pas dans un jour, soit. Ah, frère, là, tu es au karaté. Tout à la pénalité. Non, passez dans l'église, chez vous. Dans l'église à boyeté, on ne peut pas la bino. Surtout les sœurs. Pour les camines, ils vont décompasser. Surtout les sœurs. Pour les camines, ils vont décompasser. Ennemis. C'est difficile de les concilier. Et dans la c'est difficile. Et dans la passe. Dans la Bible. Quand on n'écoute pas. C'est ce que le sacrificateur te dit. Dans un différent, dans un problème. On va te lapider. Quand tu t'entends pas avec quelqu'un, on t'appelle. Pour vous concilier, et quand tu campes dans ton camp, toi vraiment, tu n'es pas de leur niveau. Moi, si je t'appelle, moi, si j'apprends, et tu t'attends pas avec quelqu'un, je vous concilie, tu n'écoutes pas. Ces jours-là, il ne faut pas venir à l'église. Je vais me faire lever devant les gens. Je vous dis la vérité devant Dieu. Parce que Paul a dit à Timothée, je te conjure devant Dieu. Je te conjure devant Jésus-Christ. D'observer ces choses sans prévention. Et de battre la biloko oyo nankozanga kopona kona. Observe le diamant pénant. Salé la mot pénant. Et ne regarde pas les visages des gens. Yo kota la batuté. Vous allez voir des frères et des soeurs dans l'église très capricieux. Au moment la bande de kobasi ni bana katina église en zombo. On dit l'amour supporte tout. Alors bien que Bolingo, si tu avais ta nature là-bas dehors, ici il y a une autre manière de vivre. Awa, et dans le c'était seulement l'introduction. Parce que dans la maison de Dieu, il y a une conduite. Que tous soient observés, même les prédicateurs. Je ne dis pas que quand Noé avait appelé les animaux pour entrer dans l'arche, vous voyez là-bas les lions manger les boucs. Maintenant quand ils sentent
manger le bouc. Ah, en quoi ça colère les os manquer manger la chair. Ils seront des amis. Tu as une très bonne intention. Mais le Seigneur ne t'a pas aidé. Les lions, hein? Avant les déluges. Yambo na les animaux sauvages. Banyama ya zamba. Avant les déluges. Yambo na mpela. Ils ne mangeaient pas de la chair. Seigneur, parce qu'il t'a plu.